Avec une aide fédérale qui n'équivaut qu'à 5% de leur budget de fonctionnement annuel, les riders français sont bien obligés de mettre en place un système D pour continuer à briller au plus haut niveau. Du coup, à l'image de Kevin Roland, le leader français de la discipline, ils se regroupent dans des structures privées gérées par leur coach. En France, on n'a pas les structures nécessaires pour s'entraîner vraiment dans le sport qu'on pratique. Donc il faut toujours qu'on voyage à l'étranger, un peu partout dans le monde, ça coûte très cher. Et forcément, l'argent, on l'obtient grâce aux sponsors. Et les sponsors, on les obtient grâce aux résultats. Donc forcément, si on veut que ça dure, il faut absolument faire des résultats. Et voilà, c'est la carotte. La pression est donc permanente, même si la présence dans ce team de Kevin Roland aide beaucoup. Champion du monde de freestyle en 2009 et déjà 4 fois vainqueur des X Games, le rider français attire les sponsors, génère de l'argent et met donc aussi la main à la poche. On peut un petit peu mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir payer un coach, un kiné, même si c'est quand même lourd parce que c'est un sacré investissement financier. Mais ça marche plutôt pas mal, on est content parce que au moins on est indépendant. Et cette liberté n'a pas de prix car elle est la définition même de l'esprit freestyle.